Il n'y a personne. Pas Bico. Le blanc. Le blanc. Là, c'est le goubélé, là où on fait le service journalier. On a droit à un seul goubélé par jour. Bon, malgré cela, bon, on fait un effort pour tenir bon. Sinon, c'est pas normal. On fait avec. En principe, bon, on devait avoir un peu plus que ça. Mais bon, c'est l'administration. Hein. On ne peut pas faire autrement. Ce qui vient, c'est on ne fait que se contenter de ça. Et quand on sert comme ça une seule fois, comme ça, tu as droit à ça pour aujourd'hui à midi, jusqu'à demain à midi. Que ce soit dans le mois de jeûne ou pas le mois de jeûne, bon, on fait, on fait notre effort pour tenir bon avec. Tu viens de voir ton milieu de vie, comment tu as mangé. Ici, là, on est dans la plus grande forêt de toute la Côte d'Ivoire. C'est la forêt du Pampou, c'est la plus grande forêt de l'Afrique de l'Ouest. Nous, on est dedans, on vit dedans. Là. C'est les hommes aussi qui sont dedans. Pour qu'à s'occuper de nous. Il ne faut pas qu'ils vont nous envoyer dans la forêt pour nous laisser comme les animaux, en vivre comme les animaux. Comme les délaissés, ben, nous envoient en prison, donc c'est-à-dire on est mort déjà. On vit. Dans notre cellule ici, là, on est solidaire. C'est 1 plus 1 égal à 1. Tu ne peux pas quitter ailleurs pour venir toucher quelqu'un dans la cellule ici. Et puis nous, on va s'asseoir pour te regarder. Toi, tu vas sortir venu à plat. La cause à nostra. C'est la cause à nostra même. Parce que tu es venu toucher un membre cellulaire dans notre cellule. Nous faisons seulement les produits de transportation, mais simplement des bidons pour survivre ici. Si la nourriture qu'on nous apporte ne suffit pas. Voilà pourquoi nous faisons les produits de bidons. Nous avons aussi les assiettes des cellules pour avoir aussi de quoi manger. Quand il y a la nourriture qui reste et qui fait 2 ou 3 jours. Dans la semaine, j'ai pu puiser au moins 2000 litres. Ouais, 3000 litres pour avoir 700 francs. C'est parce que je veux me battre pour pouvoir m'en sortir. L'eau au raccord, quand on va chercher, en tout cas c'est du bagarre, c'est du kamikaze. Il y a des sauts qui se cassent.
Il y a des bidons qu'on jette en parallèle. Vous savez, début 50 litres comme ça, le soir vous êtes rentré, les os, les pieds, partout, comme si on t'avait bastonné. Comme si on t'avait bastonné. Et le lendemain, tu n'as pas vite travaillé. Dans le jargon, on dit corvée, le travail en prison. Quand tu as une corvée, ça permet d'avoir des sous pour pouvoir gérer ses petites dépenses dans la semaine aussi, pour pouvoir gérer le baïgon. Le baïgon ici, c'est chaque fin de semaine, ça se paye, c'est les samedis soirs. C'est comme le loyer du prisonnier. Ouais, un peu. Donc, ça, c'est chaque samedi soir, il faut forcément avoir de quoi payer son loyer. On appelle baïgon. Soit 500, soit 300, ça varie, ça dépend de la cellule où tu vis. Et quand tu es corvéable, tu sors matin, quand on dit déjà 7 heures, déjà dehors. Parce que tu es corvéable. En tant que tu n'es pas corvéable, tu es obligé d'attendre 39 heures pour descendre. Tu vois un peu la différence entre le corvéable et le non-corvéable. Bon, en français, on dit ça décale la prison. Pour les baïgons, nous, dans notre cellule, c'est 200 francs. Quand on ne gagne pas, ils nous font dormir dans la douche. Souvent, je les demande, je dis, ah, mes amis, moi, j'ai fait comment pour chercher l'argent. Sinon, même s'il y avait des bras comme vous, je pouvais soulever le seau pour monter, j'allais gagner 100 francs, 100 francs, mais je n'ai pas des bras comme vous. Là, ils n'aiment pas mon affaire d'ici. Quand je m'approche, il me chasse. Il y a un bécis bâtard qui est devant moi. Ton bras coupé. Allez, tu allais attraper grenade, ton bras coupé. Tous ceux qui m'approchent et tous me chassent. Même quand ils demandent 100 francs, ils me refusent. Ils disent il faut aller te débrouiller pour manger. Percé et sort, ça va toujours me mettre à aller voler. Sans un artificiel. Mais si j'ai mon artificiel, si j'ai un mécanicien, j'ai du métier, je vais aller reprendre mon travail. Mais si je n'ai pas gagné ça, ça va toujours me mettre à le braquer. Et pourtant, moi, je ne veux pas faire ça. Je ne veux plus faire ça encore dans ma vie. La cellule 306. Cette cellule est une prison dans la prison. C'est une cellule de punition et de correction. Tous ceux qui s'aiment la bagarre, ceux qui fument la drogue, ceux qui sont un peu mentaux, les dépressions mentales, tous, c'est la cellule qui est 306. Pour nous, précisément, nous c'est la cellule. Nous, on nous a invités ici par rapport à Baïgon, parce qu'on n'a pas besoin de cellule. Rien n'est propre ici. Tout est sale. Nous vivons parfois 50, 60, 70. Tu manges quelqu'un qui chie, qui vomit, tu es là, tu n'as pas l'appétit. Manger même n'est pas bien traité, tu ne peux pas manger. Tu manges, tu vomis. Ici souvent il y a la bagarre, c'est un coup de poing à cause de manger ou soit de l'eau. Un se réveille, il prend l'eau de quelqu'un, il boit. On dit, mais monsieur, pourquoi tu bois? Il dit, mais j'ai fait comment? De mourir ou bien? C'est une vie d'enfer.